Alors en fait, ben, c'est la deuxième étape, mais tout est complètement différent. Et comme vous venez de le dire, c'est en équipage. Et aussi, le trajet est complètement différent. Au lieu de se retrouver avec des grands vents portants dans le sud, avec des vents de 30-40 nœuds et des grandes vagues de 10 mètres, on va se retrouver plutôt dans des conditions de près, à remonter l'Alizée. Et après, de tout petit temps, une fois qu'on sera dans les détroits de la Sonde, qu'on sera en navigation côtière en Asie. Donc, des conditions vraiment différentes. Et je serais vraiment content d'avoir un équipage avec moi parce que ben, c'est vrai qu'il y aura une veille visuelle très importante pour tous les petits bateaux de pêche, tous les troncs d'arbres qui flottent là-bas. Et puis aussi, ben, ça changera, ce sera sympa pour ça. Alors, ben, on avait prévu au début on était parti sur une moyenne statistique des trajets d'idées qu'on avait prévu 12 jours. Et puis, en fait, Christian Dumas nous a ramené à une dure réalité. Il nous a fait une petite étude et en moyenne, on a 16 jours et demi de mer pour atteindre Ho Chi Minh, vu les conditions cette saison, en fait. Et on peut avoir un peu mieux, un peu moins bien, mais c'est la moyenne en fonction des polaires du bateau et en fonction de l'étude de Christian. Alors, ben, c'est vrai que j'avais eu un typhon, j'avais eu des zones de calme plat, j'avais traversé, c'est des endroits pas faciles, hein. On est en zone un petit peu inconnue, enfin peu fréquentée par les voiliers toujours. Par exemple, le Vietnam est pratiquement interdit à la navigation de plaisance des voiliers étrangers. Si j'ai regardé les sites de navigation de plaisance, les bateaux n'y font pas escale. On a beaucoup de choses à découvrir et ça fait partie de l'intérêt du trajet aussi.